Hey, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Zaiko. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau contenu qui arrive sur la chaîne. Et oui, c'est enfin Red Dead Redemption 2. Et oui les amis, c'est parti, nous allons faire du contenu sur ce jeu exclusif. En plus de ça, il y a tout simplement le online qui arrive aussi. C'est juste énorme. Donc malheureusement, il y aura un petit point à faire. Le Fortnite, il y en aura très peu. Du GTA, nous allons tout simplement commencer à oublier. Sachez que c'est un jeu cul, donc jamais je vais arrêter GTA. Il y aura toujours des vidéos dessus, mais beaucoup moins, même pour les glitches. Mais nous allons tout simplement passer à Red Dead. Et lui, il y aura du jeu, comme je vous ai dit. Il y a plein d'activités à faire, il y aura plein de nouveaux jeux. Il y aura des glitches à faire, pas mal de choses, surtout des glitches. Donc, pour commencer avec ce premier gameplay, comme à mon habitude, je vais vous présenter un truc qui va pas vraiment vous aider sur le mode histoire. Ça va être un glitch d'argent. Il y en aura deux, c'est les deux principales, donc franchement c'est les meilleurs pour se faire beaucoup d'argent. Donc un avec les lingots d'or, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent, et d'autres avec les billets en illimité. Donc merci à tous ceux qui me rejoignent, n'hésitez pas à me dire en description, ce que vous en commentaire, excusez-moi, tout ce qui vous passe par la tête, des idées, du fun, si ce genre de vidéo vous plaît, pourquoi, dites-moi vraiment tout dans les commentaires, je lirai, je répondrai tout simplement. Allez, c'est parti, on va passer au glitch, ok? Donc pour commencer sur ce jeu les amis, il va falloir tout simplement se rendre au même endroit que moi, donc à côté du premier camp, pour ceux qui connaîtraient Dead, donc ça se trouve à Valentine, vous allez descendre tout simplement vers la station et vous allez à Limpani. Vous allez voir que tout simplement il y aura un petit endroit à côté de la rivière avec le shérif. Donc c'est un endroit qui a été cramé, donc là où il y a eu un incendie, et vous allez tout simplement vous rendre au même endroit, là où il y a le shérif. Vous allez tout simplement descendre de votre cheval et vous allez vous rendre à ce coffre. Donc ce coffre où se trouve un lingot d'or. Vous aurez tout simplement le coffre fermé. Donc moi comme je viens de faire un glitch, il est ouvert, c'est pas grave. Donc le coffre sera fermé, vous aurez tout simplement à faire fouiller. Une fois appuyé sur fouiller, vous toucherez plus à rien. Vous aurez juste à faire pause, à aller tout simplement dans les paramètres et désactiver la sauvegarde automatique dans général. Une fois que vous avez fait ceci, il va falloir tout simplement se rendre sur histoire. Donc vous allez refaire pause, aller sur histoire. Une fois que vous avez été dans histoire, vous allez tout simplement faire une nouvelle sauvegarde. À partir de ce moment-là, vous allez appuyer sur X ou sur A pour ceux qui sont sur Xbox One et vous allez faire une nouvelle sauvegarde. Ensuite, il faudra tout simplement faire charger une partie. Une fois que la partie est chargée, vous allez apparaître un peu plus loin, il faudra revenir à cet endroit et à partir de ce moment-là, il faudra se remplir les poches. Vous allez tout simplement vous mettre à côté du coffre où se trouve le lingot d'or et vous allez tout simplement rester appuyé sur carré ou bien sur la manette de Xbox, c'est X, donc le rond bleu, enfin le rond bleu, le X bleu. Donc vous restez appuyé, donc c'est 30 maximum et ensuite il va falloir tout simplement se rendre à une personne qui récupère les lingots d'or, donc c'est le reseller. Donc pour ça malheureusement il va falloir le débloquer, donc n'hésitez pas à avancer dans le jeu avant de faire ce glitch et puis tout simplement ensuite débloquer pourquoi pas aussi le train, comme ça vous pourrez vous y rendre plus facilement et plus rapidement à chaque fois. Donc pour prendre le train, tout simplement vous allez vous rendre à la station et vous allez tout simplement choisir l'endroit où se trouve le reseller, donc à Ring. Vous allez voir que c'est juste énorme ce glitch, vous pourrez vous faire à chaque fois sur chaque lingot d'or 50 000, donc 30 fois 50 000, vous affiche le résultat car j'ai pas envie de le faire de tête. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes bien rempli les poches, vous allez faire pause et se rendre au même endroit que moi, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour mieux voir. Et voilà, c'est parti, on se rend au reset. Une fois arrivé au reseller, il faudra tout simplement faire vendre et vous allez tout simplement vous diriger vers les lingots d'or. À partir de ce moment-là, vous pourrez tout simplement faire vendre tout et vous allez voir que votre argent en haut à droite va tout simplement augmenter. Donc si ce genre de vidéo vous plaît les amis, n'hésitez pas à mettre un gros petit like. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à me proposer du contenu. Donc moi, je serai là pour vous proposer sur Red Dead des jeux avec les abonnés, tout simplement des glitchs. Il y aura encore du fun GTA avec des glitches GTA, du fun Fortnite, et bien sûr, il y aura
tout simplement des lives qui vont arriver sur Red Dead avec le mode histoire afin de vous expliquer les missions et puis tout simplement passer du bon temps avec peut-être aussi une facecam si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire, votez oui pour une facecam en live avec Red Dead ou bien non pour pas de facecam sur Red Dead. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Moi je vous dis ciao, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.